La réussite et le bonheur ne seront jamais au rendez-vous si ton emploi du temps quotidien est en contradiction avec les valeurs que tu prônes, avec ton discours. Et cette dissonance fait souffrir ton intégrité. Est-ce que cette intro, c'est pas une intro de ouf? Est-ce que je suis pas en train de vous faire une intro de malade là? Autrement dit, si tu ne programmes rien, rien n'arrivera. Ouais, je sais, j'ai pas eu bac plus 4 pour te dire ça, ni bac plus 5, ni bac plus 12. Mais dans cette vidéo, je vais te donner 4 choses à programmer chaque semaine dans ton agenda. Agendas. Pour être en meilleure forme physique et mentale. Et mentale. Hashtag et mentale. Genre le démental. Beaucoup de personnes veulent être en meilleure santé, veulent perdre du poids ou juste se maintenir en forme, mais leurs actes contrediront leurs paroles. Beaucoup trop souvent. Est-ce que tu te reconnais? Si tu te reconnais, mais je me reconnais. Agir ainsi, c'est comme se trahir soi-même. Et ça, c'est pas bien, c'est pas beau du tout. On n'aime pas ça. On ne se trahit pas. Ton agenda est le meilleur baromètre parce qu'il indique où se situent tes priorités. D'ailleurs, la question que tu peux d'ores et déjà te poser, c'est quelles sont tes priorités? Tout simplement. On croit que c'est une question simple, mais on ne se la pose pas souvent. Et elle change au cours de la vie. Donc, pose, quelles sont mes priorités? Et tu réponds. Avant de te donner ces 4 choses à caler dans ton emploi du temps pour être en meilleure forme physique et mentale, je te conseille de lister tes priorités et de regarder quelle place tu leur donnes véritablement dans ton emploi du temps. Essaye d'estimer à peu près en pourcentage combien de pourcents tu leur donnes à chacune d'entre elles, selon tes objectifs de vie aussi, tu vois, ça peut changer, on n'a pas tous les mêmes. On y va. Première chose à caler, évidemment, une activité physique, quelle qu'elle soit. Même du sport en chambre si tu veux. Ok, d'accord. Oui, ça en fait partie. Oui. Ok, il ne s'agit pas de faire du sport 7 jours sur 7. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des brebis. Évidemment, le sport est le conseil numéro 1 pour être en meilleure santé physique et mentale, mais celui-ci ne doit pas venir non plus devenir plutôt néfaste. C'est-à-dire, on pense à intégrer cette notion de repos, on pense à changer de mindset vis-à-vis du sport, c'est-à-dire que le sport n'est pas une punition pour s'autoriser à manger certaines choses ou une punition de quelconque autre chose punissable. J'ai de moins en moins envie de m'écouter parler, moi, je te jure. Donc, indispensable à caler en priorité ce rendez-vous avec toi, ce rendez-vous avec le sport. Deuxième chose indispensable à caler dans ton emploi du temps, au moins une fois par semaine. Tout dépend le moment que c'est un moment pour toi, un moment pour prendre soin de toi. Tu ne peux pas prendre soin des autres. Tu ne peux pas être disponible émotionnellement, mentalement. Tu ne peux pas rayonner. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi en priorité. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Ça n'a rien, mais absolument rien d'égoïste. Parce que justement, tu ne peux pas te permettre d'être généreux et généreuse si tu n'as pas pensé à toi d'abord, si tu n'as pas pris soin de toi, si tu n'as pas introspecté, si tu n'as pas fait ce travail de te dire « Ok, quand est-ce que je m'occupe de ma gueule ?» Ça, c'est important. Donc, chaque semaine, programme-toi au moins un moment avec toi, rien que pour toi. Idéalement, quotidiennement, si tu peux avoir des petits moments de kiff qui ne sont pas très longs, c'est ok. Mais ça, c'est indispensable et ça doit faire partie de tes priorités. Troisième chose, avoir un moment avec des proches et des proches qui ont un impact positif sur toi, des personnes qui sont joyeuses, des personnes drôles, des personnes agréables, un peu comme moi. Et si tu veux, nous on passe déjà un moment une fois par semaine sur YouTube, donc rien que pour ça, c'est cadeau. Oh, quelle humilité, mon Dieu, c'est... Le fait de côtoyer des personnes et notamment des personnes positives fait énormément de bien à notre santé mentale. Et ça, c'est clairement prouvé par de nombreuses recherches sur le cerveau humain et sur tous les aspects physiologiques même que ça peut avoir en termes d'hormones du bonheur. Donc, et ces moments avec tes proches, ça te permet aussi de sortir de ta routine, que ce soit ta routine de boulot. Bon, bah, si tes proches font partie de ton travail, c'est ok, mais ça veut dire qu'il y a bonne ambiance et que vous déconnez bien, donc... Pourquoi pas? Mais essaye de voir des gens de l'extérieur un petit peu, extérieur à ta routine, extérieur à tes habitudes quotidiennes. Et ça, ça fait clairement du bien de ouf. De ouf, de ouf. Et si tu n'as pas l'occasion de les voir, petit coup de téléphone, petit FaceTime, petit vocal. Aujourd'hui, on a des supports qui sont quand même pas mal. Oh, qu'on s'en serve un peu, bordel. Quatrième, et c'est pour ça que je fais passe-partout, quatrième. Quatrième conseil, du fun dans ton quotidien. Ne te prends pas au sérieux, la vie est beaucoup trop courte pour ça. N'aie pas peur du regard des autres,
on n'en a rien à foutre. Le regard que les autres ont sur toi est en vérité le regard qu'ils ont sur eux-mêmes et qui n'est pas OK. Et si toi, tu es mal à l'aise avec ce jugement ou que tu sembles être jugé, c'est que toi aussi, tu n'es pas à l'aise avec le regard que tu portes sur toi. Si tu n'as pas compris cette phrase, mais pause et remets la vidéo un petit peu en arrière parce que je ne serais incapable de la répéter. Voilà, tout simplement, c'est de l'impro total. Il n'y a qu'une artiste, il n'y a qu'une personne ici, il n'y a qu'un cerveau. C'est pas si entier, mais bon. Mets du fun dans ton quotidien, c'est important pour ton bonheur, pour ta joie. Tu peux travailler sérieusement sans te prendre au sérieux. C'est la meilleure façon d'ailleurs de travailler. Bon, si t'es pompe funèbre, c'est autre chose, mais il y a toujours des moments où on peut délirer, ok? Dès que tu peux, rajoute du fun dans ton alimentation, dans ton activité physique, dans ton boulot. Dans ton ambiance familiale, rajoute du fun. Toi, tout seul, toute seule. Moi, je sais pas, tous les jours, je vais mettre de la musique, je vais m'ambiancer, quoi qu'il en fait. Quoi qu'il. Quoi qu'il arrive. Ouais, il manquait arrive. J'aime bien dire quoi qu'il, comme Anka. Anka, tu mets de la musique, tu danses. Il adore Marius quand je dis Anka. Anka! La vie est beaucoup trop courte pour se prendre au sérieux, je te le dis, je te le répète, la vie est une fête, alors kiffe, mets du fun, un maximum de fun. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, merci de m'éclater, ces pouces en l'air et pour tout cet amour que tu m'envoies en commentaire, moi aussi, je t'aime. À la semaine prochaine, plein de good vibes, ciao.